Bienvenue, welcome to the Madilina. Naruto Caillou, évidemment. Alors, je sais pas exactement comment ça se prononce, si c'est Caillou, si c'est Caillou. Je ne sais pas comment on prononce en Chine le K, voilà. Si quelqu'un, en vrai de vrai, si dans le chat quelqu'un a la réponse, comment tout on prononce K en Chine? Tout le monde a Lupio. Voilà, bah nickel, il est pas là. Donc, si quelqu'un, on dit Caillou, je crois. Caillou. Okay. Caillou, Caillou. Donc, bienvenue sur Naruto Caillou, les amis. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Naruto Caillou? Je laisse Dark Funeral prendre évidemment la relève pour vous expliquer brièvement. Naruto Caillou, c'est le TCG Naruto qui est uniquement disponible en Chine, que vous avez sous les yeux, c'est officiel. Parce que là-bas, Naruto, ça cartonne sévère. Et c'est les seuls dans le monde à pouvoir profiter d'une telle collection. Et donc, grâce à AliExpress, qui est le seul, qui est le revendeur exclusif. Exclusif, c'est ça? Bah non, c'est pas le non, c'est pas le revendeur officiel ni exclusif, parce qu'AliExpress, c'est des gens comme toi et moi, des particuliers ou des pros. C'est juste que le meilleur, moyen d'avoir les displays au meilleur prix, c'est de les importer de la Chine. Bah. Quel site est chinois et mondialement connu, ultra connu, et d'ailleurs, voilà, son propriétaire est multimilliardaire, c'est donc AliExpress. Donc, c'est l'équivalent un peu d'Amazon, AliExpress. C'est ça. Ouais, c'est leur Amazon, sauf que c'est honnêtement 90% de contrefaçon. Donc, c'est ce que les gens vont acheter sur AliExpress, genre 300 montres, pour les revendre 10 fois leur prix. Donc, faire ce qu'on appelle du phishing et du scam. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Oh, t'inquiète pas, bref, influenceurs sur Insta. De belles arnaques. Donc, bienvenue, les amis. Bienvenue dans ce fabuleux display. On va commencer avec du très, très lourd parce que c'est un display 3 yuan. Voilà. Donc, Fufu va vous montrer le 3 yuan qui est juste ici. 3 yuan, ça veut dire c'est le prix du booster. C'est d'accord cool que ce soit imprimé. Donc, sur le truc, hein. 3 yuan, c'est que dalle. En gros, je vous laisse. Je crois que c'est 80 centimes le booster, alors un truc comme ça, d'euros. Peut-être que pour eux, c'est. Bah, oui, non, on a été voir. Pour eux, c'est 2-3 fois plus cher, à peu près, que pour nous, si c'était 80 centimes. Donc, c'est donc les cartes Naruto Caillou, éditées en Chine. Et il est parfois bien difficile de comprendre certains displays et certaines séries. Parce que, effectivement, à l'heure actuelle, le jeu continue. Alors, c'est un. Attention, c'est officiel. Ça, je sais pas si tu l'as précisé. Si, les amis, c'est du Naruto officiel. Pas parce que ça vient de Chine, mais c'est fait pour le marché chinois parce que ça marche de fou furieux là-bas, en Chine. Et donc, on en est à l'heure actuelle à la série 6. Série 6, voilà, qui est toujours en cours. C'est pas facile de s'importer et il y a beaucoup de raretés différentes. Ils ont fait un très très bon boulot en vrai de vrai. Il y a l'air d'avoir Boruto aussi. Il y a du Boruto. Nous, on a eu une carte Boruto à Nouvel An. Tu n'étais pas là. On avait ouvert un display. Oui. On a eu une magnifique carte Boruto. Donc, il y a du Boruto aussi. C'est ouf comment ça cartonne là-bas. Alors, 1 yuan. Parce que c'est très structuré. On dirait pas. Ouais. C'est vrai que c'est un merdier. Donc, les displays de 1 yuan, leur display, il y a 36 boosters. D'accord ? Ouais. C'est les displays d'entrée de gamme. Parfait pour commencer la collection et acquérir les premières cartes de grade basique comme les R et les SR. Vous pourrez aussi y retrouver quelques SSR et une ou deux UR et par chance une SP. En gros, c'est l'équivalent d'un display Pokémon. Presque. Ben en vrai, oui, ouais. Voilà. Sauf que c'est 1 yuan, d'accord ? Ouais. Il y a les displays 2 yuan. Donc c'est celui-là. Donc 2 yuan, c'est ces displays-là. Ça, voilà. C'est un display 2 yuan. Il y a 30 boosters par display. Et dès la série 1, on peut avoir la chance d'avoir des AR Gold, voire Silver. C'est 10 illustrations différentes en Silver, et c'est plus rare à avoir que le Gold, étrangement. Okay. Voilà. Et dès la série numéro 2, ces displays vont l'ajout des SP et des OR, mais surtout l'ajout des ZR et des CR. Donc, vous allez voir, c'est des grades exclusifs à cette display, avec des illustrations très travaillées et appréciées des collectionneurs. Ensuite, on va passer à ton display, qui est 3 yuans, voilà, et c'est uniquement la série 1. Et t'as 50 boosters par display, d'accord ? Disponible uniquement pour la série 1, cette display regroupe des cartes de grade basique, mais aussi des UR, des OR, des SP. On y retrouve aussi des cartes grade CP, exclusives à cette display, illustrant certains personnages de la série avec leur sensei ou invocation. Ensuite, malheureusement, je ne les ai pas encore reçus. Il y a les displays 5 yuans. Ah ouais ? Il y a 20 boosters par display.
Dès la série 1, on y retrouvera les UR, les AR, les OR et les SP. Mais la particularité de cette display réside dans l'ajout de cartes de grade TR et TGR. Ça s'arrête jamais, frère, hein, vraiment. Hein. Des cartes sur fond transparent avec des personnages illustrés sous forme chibi. À partir de la série 2, les NR feront leur apparition dans cette display de façon exclusive à celle-ci. Puis, il y a les displays 10 Yuans. D'accord ? Ah ouais. Tu as 18 boosters par display. La display est plus onéreuse, mais aussi avec un taux de drop bien plus élevé. On y retrouve des cartes exclusives comme les HR, donc c'est un style d'holographique, mais surtout les cartes de grade SLR. Dès la série 2, on y retrouve des BP qui viennent s'ajouter. Cartes très difficiles à voir comme les CR et les NR des displays précédents. Enfin, le grade SE fera son apparition à partir de la série 4. Super. J'ai l'ordre des raretés. En gros, le plus nul, c'est une carte R. Logique, c'est ce qu'on a tout le temps. Voilà. Après, ensuite, SR, SSR. Ensuite, non, TR. On n'a pas eu TR, non. TR, TGR, ouais. ZR, ouais. HR, ouais. UR, ouais. OR, ouais. AR, ouais. SLR, LR, SCR, SP, CP, GP, MR, CR, NR, DP, SE, PR et BR. Non, mais c'est pas une blague, c'est toutes les cartes. Non, mais là, vous me voyez défiler l'écran. C'est tous les grades qui existent dans les cartes, évidemment. Donc, Battle Royale, c'est alors, si on a une BR. Alors, c'est là, par exemple, une BR, voilà à quoi ça ressemble. Donc, plutôt beau. Alors, faut pas faire. Montre-le sous la cam, au pire. Donc, ça, c'est une BR. Il faut pas faire attention au nuage de la Katsuki. Donc, ça, c'est une BR. D'accord ? Je vais vous montrer. Les copies, quoi. Ouais. On est parti, Fufu. Ouais. Eh ben, enjoy, vas-y, fais-nous rêver, mon ref. C'est parti, les gars. Naruto, Caillou, tu ouvres. On avait dit quoi ? Vous voulez un whisky ? Une série 1. Ou juste un doigt. Oh, ça commence. Allez. Tu ouvres une série 1. Attention, il y a. Insane, j'ai trop envie qu'on ouvre les Booster X là à chaque fois. Moi, et tu sais que j'attends chaque semaine qu'on les ouvre ces putains de boosters. Hein. Je veux voir ce qu'on a dans les 4 derniers boosters. Hein. Ça, ce serait... Imagine la quali, imagine, non, mais... imagine. Ce serait incroyable, mais t'aurais pu le voir pendant... Ah, t'ouvres un tier 3, frère. Oui, mais là, c'est une petite SLR. Bah oui, mais quand même, quand même. Pas... Il faut apprécier. C'est la dernière chez eux. Il y a 6 séries différentes. Et chaque série, la série 1 a le plus de displays, la série 1 a 5 displays différents. Donc, d'accord. 1 yuan, 2 yuan, 3 yuan, 5 yuan, 10 yuan, 10 yuan. Rukli, Naruto. Allez, fais-nous rêver. Et c'est on l'avait pas. C'est le père de Shino. On l'avait pas. Ça ne me dit rien, elle. Le flow des cartes, je suis d'accord, c'est exceptionnel, les gars, vraiment. Les gars, 25 euros le display, quoi, pour un tier 3. Oh, ça brille un peu plus que prévu, que convenu. Non. Un SSR, non ? SSR, ouais. Neji. Et c'est Neji. Yes, tu l'as reconnu avec la main ? Non, ouais, la main et le bleu. Ah, la position, donc, et les cheveux. Ouais. Allez. Bah bon, vous avez compris les gars, clippez pas, mais vous avez compris le délire. Oui, mais dès que tu... tout de suite à contrefaçon. Voilà, dès que tu dis chinois autour d'un produit, tu penses très vite à contrefaçon. Et non, en fait, hein, tout n'est pas contrefait. C'est bien des produits officiels et des produits bien stylés, évidemment. Il y a Loulou qui aime casser les couilles alors qu'il voit qu'on est en live. Une SR. Et c'est ça, cool. Pas vrai celui-là. Hein. On l'a déjà eu. Non, il y a plusieurs SR, attention. Attention de pas tout confondre. Yorin Maru, bah voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Exactement. Neji. Ouais, sauf que je l'ai fait avec Shoji. Donc Shoji. Sasuke. Oh, bref. Reneji. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah non, rien, c'est bien, bébé, c'est bien. Bah oui, oui. Oh ! Doucement. Fais à l'envers. Doucement. Mais pourquoi à l'envers, Sophie ? C'est pas à l'envers. Ah non, c'est une SSR. Ah, SSR ! Bah attends, doucement, on essaye de deviner. Peut-être par en bas, par le signe ? Ouais, bah oui. Par le signe du village ? C'est quoi ? Ranger Ninja. Ah, c'est pas un des Kage là ? C'est peut-être la meuf, non ? Mais j'ai pas son blaze. Ou c'est peut-être le frère de Killer Bee. De quoi ? Bah rien, c'est... Je t'ai craché à Yann. Ouais, bah si tu mérites, rien à foutre. Oh, Orochimaru ! Il est trop stylé ! Oh, Orochimaru ! On l'a pas vu. Moi, je crache partout, plus, j'en ai rien à péter. Hein. Alors, c'est mieux ou pas cette installation en vrai, même pour montrer les cartes ? Ouais. Parce qu'en fait, on est comme ça, c'est plus naturel que d'être comme ça. Ouais, ok. Choji ! Non, c'est trop. Hop, 6 displays dans le panier. Ah, mais les gars, Naruto, Kaio.
Apparemment, ça se prononce Kaio. Oh, oh, oh. Encore, c'est encore une dingue là. Je pense, regarde la rareté au moins. Ça brille pas mal. Or. Ah, oh. OR. Bah, les gars, vous savez ce qu'on espère, hein. Minato, hein, le frère. Hein. Le sang de la veine. Hein. Sang de la verge même. Sasuke. Non, c'est Naruto. Vas-y. Oh, oh, dommage, c'est un des Kage. Un des un, ouais, un qui avait fait le combat contre Madara, ouais. C'est le frère du premier. Incroyable. Là. Mais la carte est où? Incroyables! La première rareté, la première OR. J'avoue, elle la première elle OR. Pète la classe, elle pète la classe. Incroyable. Oh là 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 là, par contre, ah oui, j'avoue les écritures et tout. Le mien. Voilà. Merci Laez. Non mais je vais lire Sophie. Pour son 46e mois. D'accord. Là frère, le display c'est 25 balles. Et il y a des cartes qui sont c'est quali. Incroyablement bien fait. Parce que franchement pour ce prix là, il y a rien ici qui vaut. Mais c'est quali et ça vaut rien en fait. Donc honnêtement, et en plus on kiffe Naruto. Le kiff est fou, mais vraiment le kiff est fou les gars. Le kiff est fou. Iruka. Merci, sorcier de guerre, merci pour le 10e mois. Iruka. Iruka, 100 balles, tu le régales. Et c'est un produit officiel, c'est pas une contrefaçon ou autre, c'est de l'officiel. SSR. SSR encore, allez, let's go. Et ça régale de ouf là. Ah, Sasuke, non? Non, Killer Bee. Non, non, mais moi, je regarde le bandage, la jambe. Killer Bee. Ah non, Killer Bee, ok. Killer Bee en SSR. Regardez. Ça. Les lunettes qui brillent comme ça, qui brillent avec le bandeau. Non mais c'est ouf. Et tout ça avec un copain, une copine et tout. C'est-à-dire que c'est estampillé quoi. C'est estampillé, c'est officiel quoi. C'est le Japon a donné son autorisation pour faire ce produit pour la Chine. Mais c'est ouf que. C'est ouf. Non mais c'est ouf. On se rend pas compte. C'est ouf de ouf. Moi ce que je trouve ouf c'est que ils n'ont pas tenté de faire ça Chine. Je suis sûr que ça aurait cartonné. Quand je vois White Swartz qui fait du Attaque des Titans et fait des screenshots. Voilà. Ah ouais, mais malheureusement, ouais, les Jujutsu, ils sont pas mal. Mais je défendrai toujours ce genre de produit parce que vraiment, puis les cartes, elles sont épaisses, c'est quali. Oh non. Ah non, c'est que moi sur le côté, mec, ça brille de partout. Tu as mis là en mode, je me préparais à battre. Je sais pas, mais j'en prenais plein à gueule, donc. 63. On est presque à un tiers, les amis. On est presque à un tiers de cette barre, donc merci beaucoup. Tenten. Si on ouvre à chaque fois des dingueries, oubliez jamais que c'est grâce à vous, le chat. Ah non mais moi ça UR, brille. C'est Sakura. Ah oui, UR c'est beau. UR c'est beau. Sakura. C'est Sakuku. Sakuku. En plus, t'as vu un petit Rasengan dans le... Ah, ils ont pas vu d'UR encore. Ils ont... Si, Obito. J'avais eu Obito. Attends. Ah, aujourd'hui, non. Non. Ah, non. Ils ont vu une OR, ils ont pas vu d'UR. Et... Let's go. Ah, non. Sakura. Donc, il y avait les OR et maintenant, vous avez les UR. Non, magnifique. En fond, là. Team OR ou Team UR en vrai? Pour le coup. OR. OR. En ouais, vrai, après on a Sakura, c'est pas le meilleur exemple en vrai pour comparer. Parce qu'on avait Obito la dernière fois. Je vais vous montrer le chat, les deux. Ouais, mais ce qui est cool, c'est que tu vois, t'as les écritures en or et tout. Et surtout, t'as un background. Enfin, lui, il a un beau background. Ouais. Tiens, montre les deux l'une à côté de l'autre. Vous êtes team OR ou UR, les gars, en vrai de vrai? Ah, mais les deux brillent énervés. Hein. Ah, les deux brillent énervés. Les deux mais j'aime bien le background avec sa technique, tu vois. Que là, c'est juste un. Bah, moi, c'est l'écriture en or. En fait, t'as l'impression qu'il y a des trucs en relief sur l'OR. On sent. Regarde le signe en haut à droite, frère. T'as l'impression que c'est en relief. T'as vu? T'as vu? On a l'impression que c'est en relief. Ah, on n'a pas montré aussi la petite particularité de ces cartes, c'est l'arrière. Parce que l'arrière, il n'y a pas de signe officiel. Mais il y a l'arrière, des infos. Ouais, il y a toutes les infos personnages à ce moment précis de l'animé. Genre, ce Sasuke là, il faisait 1m50. Oh, la victime. C'est quoi? Juste pour le troll, je vais quand même lui dire. T'es prêt? Attends, parce que même moi je le suis pas, donc. SR, c'est Neji? Non! Oh, tu l'avais celui-là? Et merci Florian pour ses 1 sub. Ah non, on l'avait pas, elle est trop bien! Qui a offert un sub à Warren Fu. Merci mon Florian et merci mon François. Est-ce que vous êtes prêts pour les raretés? Et c'est parti! Quel homme sexy. Alors, en termes de rareté, installez-vous. Oh là là, attends. Il fait une position comme à la JoJo's. Pendant que Fufu il joue, au pire. Peut montrer? Non, mais là, on va. Le chat, vous êtes prêts? On va vous rendre fou sur le jeu. Vous allez acheter 50 displays, c'est pas une blague. Vous êtes prêts? Attends, il ouvre les 3 derniers. Hop, 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 hop. Ça a l'air.
Et ben mon pote, c'est quand tu village. Ah, oh, c'est Gaara. Gaara. Golden God. Bon, déjà une Naruto, une SSR Naruto que je trouve magnifique. Tu l'as pas eu, on l'a eu à Nouvel An. Elle est incroyable. T'en penses quoi? Bah, elle est trop belle. Elle est folle. Donc ça, c'est juste une SSR. Mais non, je l'ai ouvert la Sénine. Tu l'as ouvert hein, la Sénine. Elle fait pas le malin. Donc ça, c'est juste une SSR. Juste une SSR. Les gars, c'est juste une SSR, ok? Maintenant, les gars, je vais vous montrer... Bah tiens. Je vais vous montrer une CP. Ça, c'est une SR. Non, ça, c'est une CP. Non, celle-là que... qu'on a eu ensemble. Ouais. Donc ça, c'est une CP. Non, mais les gars, c'est texturé et tout, c'est incroyable. Ça, c'est une GP. Celle-là, je l'ai pas eu. Ouais, donc regardez bien la différence des ratés. Ouais. Ça, c'est une GP. Et elle est rouge. Oh là là, ce que je vais vous montrer. Non, mais là, on va monter crescendo. Les gars, on va monter crescendo. Hein. Les gars, on va passer à une UR avec... Oh là, bah elle est obligée. Obligée, en vrai. UR. Donc, juste UR. Hein. Là, voilà, avec Kyuubi et Naruto. On a eu aussi la Sanbi. Maintenant, une OR. Non, mais tout ça, c'est des grades différents. Une... Oh là là, elle est folle, frère. Elle me fait péter un crâne, elle. Elle est exceptionnelle. Une OR. Avec le frérot, évidemment. Obito jeune. Obito. Oh, on dit, oui, t'as vu, on dirait du relief de ouf. On dirait qu'ils ont mis une carte par-dessus la carte. Montre la carte à la caméra. Remonte la carte à la caméra. On dirait du relief en haut à droite. T'as vu? On dirait que ça, c'est bien par-dessus celle-là, en fait. Donc, les gars, ça, c'est les raretés qu'on a eues. Il y a encore 6 ou 7 raretés qu'on n'a jamais découvertes. 6 ou 7 raretés. Vous les achetez sur AliExpress parce que c'est un vrai produit. C'est un produit officiel chinois. Ça a été fait pour le marché chinois exclusivement, les gars. C'est une exclusivité, Naruto Kaio. Ah, Zabuza ? Zobza. Ah, trop bien. Elle est belle Let's encore. Go Et, par contre, nos SSR, je commence... Ouf, reparle de dragon à queue. Dragon à queue. Putain, beau gros dragon, ça. Dragon d'eau. Vas-y, Molo. Hein. Il y en a un dernier et après, on fait la moite-moite. SSR encore. Ah, mais c'est l'autre avec ses cheveux et sa main, là, où il y a une bouche dans la main. Lida ? Non, faux. Oh, elle est folle. Non. C'est sûr. Mais c'est Naruto. Ah, Jirachi. Parce que moi, c'est le... J'ai dit qui ? Jirachi. C'est Jirachi. C'est Mi Jirachi. Coucou. Coucou. Et on l'avait pas. Elle est incroyable. Elle est super. Je pète ma gueule. Putain, là, c'est bon. Elle a de la nouveauté. Ça fait plaisir. Bah là, et que de la nouveauté. Voilà. Hein, alors que t'as ouvert ce même display. Ah non, il t'en reste encore. Duration. 1m40. Je suis Gamaru. C'est pas beaucoup en termes de mensuel. Vous voulez voir ses mensurations. 1m50. Oh, le chien. Si vous voulez voir ses mensurations. Ah ouais, tiens, il mesure combien, lui ? Inconnu. Enfin, c'est écrit... Rien du tout. Enfin, c'est écrit inconnu. Non, ouais. Suigetsu... Bah oui. Ça a l'air lourd. Ouais, c'est gold, full gold, là. Quoi ? Full golden retriever. Ok, les gars. Tu vois, fallait attendre. Je veux Minato. Minato. Ok, c'est... Konoha. Ah ! Minato. Oh ! Mais quoi ? C'est quoi ? C'est une nouvelle rareté ! C'est une SP ! C'est une nouvelle rareté ! Bah non, c'est la SP. Mais non, mais elle est pas grise. Si ? Non, mais c'est... Non, elle est en golden, mais c'est une SP. Non, mais attends, ça c'est... Attends. Bah, moi, je comprends rien, je sais pas combien... Attends. Montre bien la carte. SP, je vais t'expliquer c'est quoi. Moi, je vais te dire, moi, je connais bien. Au fur et à mesure des séries, l'évolution du design des SP a évolué en mettant en scène de façon plus concrète chaque personnage. C'est pourquoi nous avons sélectionné une carte de la série récente. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est bien une SP, c'est bien une SP. Elle est magnifique. Les gars, écoutez bien, il a ouvert une moitié de display seulement. Voilà, alors, on est qu'à la moitié. Hein. Il a ouvert qu'une moitié de display, les gars.